L'association pour l'avenir de la vallée de la Bourges, elle a ainsi un statut associatif qui lui permet d'ester en justice. C'est-à-dire que c'est nous qui portons toutes les actions en justice, que ce soit la justice administrative ou la justice pénale, le judiciaire. Parce que ça, c'est deux choses différentes. Donc moi, j'interviens ici aujourd'hui à ce titre-là, et non pas au titre du collectif des amis de la Bourges. Ça peut vous sembler un peu fastidieux, mais c'est important parce que vis-à-vis des institutions et des organisations, qu'elles soient d'État, régional, local, etc., c'est nous qui sommes amis, juridiquement. Donc, cette association, elle a commencé à se mobiliser avec d'autres collectifs, dont le collectif des amis de la Bourges, après l'obtention en décembre 2018 d'un permis de construire d'un complexe religieux appelé site Notre-Dame-des-Neiges, Basilique, enfin, etc. Ça, c'était en décembre 2018. Et au printemps 2019, il y a eu les premières mobilisations, l'été aussi 2019, les premières mobilisations contre ce projet. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de consultation publique, parce qu'il semblait, quand on étudiait au fur et à mesure les documents qui étaient portés à notre connaissance, qu'il y avait des fausses déclarations. Il n'y avait pas sur pas dans le parc, pas d'atteinte à la biodiversité, mais surtout, ce qui était incroyable, c'est qu'il n'y avait pas d'étude d'impact environnemental complète. Il y avait juste un pré-diagnostic écologique qui faisait état d'un certain nombre d'espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées, mais cette étude était incomplète. Ce n'est pas nous uniquement qui le disions, c'était aussi lui-même, le prestataire, qui avait réalisé l'étude, en l'occurrence le bureau d'études ISOL. Donc il y a eu une mobilisation qui a abouti en juin 2020 à une mobilisation forte sur le terrain avec l'occupation du terrain, qui a conduit Madame la préfète d'alors, parce qu'on est quand même le quatrième préfet sur ce sujet, qui a conduit la préfète d'alors, Madame Slimane, de demander à la famille missionnaire de Notre-Dame, qui est le porteur du projet, d'arrêter le chantier et de mettre tout le monde autour de la table. Elle a... Il a mangé des crottes de bique. Ouais, si tu commences à regarder ça. Regardez les beaux garçons que ça a fait. Il est au crottes de bique. C'est vrai. Après, il y a toujours la possibilité que la préfecture sorte le plus rapidement possible un arrêté de suspension des travaux jusqu'à la réunion. Mmh. C'est ce qui avait été dealé au départ en disant soit vous le faites de vous-même, soit on sort un arrêté. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? On le prend par les pieds. Non, vous me lâchez ! Vous me lâchez ! Dégagez, merde ! Le regard, c'est une chose que tu vois et puis... C'est un truc pas rationnel en fait. Ouais.